Allez, prochaine impro. Impro, voilà, ça c'est l'habitude ça. Faut qu'on aille voir le gâteau ou... Louve. Ah, tu fais mieux là. Courroux Célestin. Ouais. Comme un homme. Je lance, la, 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 la. Tu veux le papier? Moi, je suis mon chou et tu fais mieux. Ok. Allez. Ai-je entendu quelqu'un demander à un mirage à leur dire ah, c'est presque ça. Quoi, fantôme? Tiens-toi prêt, Mulan. Ta rédemption reptilienne s'annonce car je suis envoyé par tes insectes pour te guider dans ta mascarade. Écoute bien, si tu veux résister, faut que tu bosses. Entends ma voix car si l'armée découvre que tu es une fille, la sentence sera la mort. Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui je suis? Je suis le gardien des âmes perdues! Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mushu. Un vrai pur sort, hein? Mes ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver? Hé, hey, dragon, dragon, y a pas de lézard, nous parlons pas la même langue. Tu es... Intimidant. Où est Priya? Un nain? Bien sûr, c'est moins encombrant pour voyager. Si j'avais ma vraie taille, cette brave vache mourrait de peur. Couchez la noiraude. Mes pouvoirs dépassent ta mortelle imagination. Par exemple, mes yeux peuvent voir clair à travers ton armure. Aouh! Voilà, c'est ça. Déshonneur, déshonneur sur ta famille. Prenez note. Déshonneur sur toi, déshonneur sur ta vache, déshonneur. Arrête, tu veux? Désolée, je suis désolée. Je dois être nerveuse, je n'ai jamais fait ça avant. Alors il faut avoir confiance en moi et ne me gifle plus jamais, c'est capiche? Vas-y Coco, en avant pour la grande aventure, crique les bagages, on s'arrache la vache. Alors, Kourou en mouchou, c'est excellent. C'est excellent. La suite, Ludo. Oh merde. Avec Boréal. Wow. J'ai tellement peur de louper. Ah, tu veux faire Peter Parker ou Octavius? Non, c'est bon. Oreille droite, oreille gauche. Qui te tente, le méchant ou le gentil? Le méchant, c'est le méchant. C'est comme tu veux. Oui, Peter Parker tout à l'heure. Ah oui, t'as fait. Ouais. Oui, tout à l'heure avec. Regardez, mais après, c'est pas un peu important. Si toi, tu te sens plus à l'aise avec Octavius, je fais ça. Selon Clientel House. Non, je peux faire le Octavius. Attention, attention, mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement, comme tous les autres. Trahir? Trahir? Je vous admirais. Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination. C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux. Vous étiez tout ce que je rêvais d'être. Et vous avez tout gâché. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non. S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras. Et je serai piégé dans ce corps inutile.
esprit, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Tu te souviens? Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter. Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas? Peter! Peter! Tu pouvais lâcher le cri, hein. Mais j'ai pas la vie. Bah c'est moi, du coup. Bah oui. Toi et... Emric, c'est moi. Et Lounéa. Oui, bah la chance, c'est du Disney quand même. Enfin, c'est nul. Non, j'aime bien Cars, mais c'est pas mon... Attends, parce que c'est marqué présentation des trois meilleurs points, donc est-ce que c'est... Non, ça va. Ah, on fait les présentateurs de la Piston 4. Qui m'inspirera plus, mais j'arrive pas trop à savoir. Bah, c'est marrant, on a déjà fait des commentateurs en plus il y a pas longtemps. C'est un beau Garfield. Je sais pas, t'as la voix à faire. Tu veux faire qui? Grave. Je peux la modifier. Non, mais lui, pour faire la voix de Spider-Man, oh là là. Dans les mêmes temps, un peu. Je sais pas où est-ce que j'ai mis, mais je vais faire Darren Carter. Bah voilà, j'avais proposé que j'allais faire Bob Culas, donc attention, on va y aller. Oui. Ici Bob Culas qui vous parle en direct des 400 tours de Dinocourt en compagnie de mon vieux complice Darrell Cartrip. Nous sommes à la moitié de ce qui pourrait bien devenir une journée historique pour la course. Ma pression d'huile augmente dangereusement. Si le suspense se prolonge, il faudra me remorquer pour sortir d'ici. Je vous comprends, Darrell. Trois coureurs sont à égalité de points avant le départ de cette dernière course de la saison. Ce qui veut dire que le vainqueur, aujourd'hui, remportera le titre et la Piston Cup. Est-ce que Stripweather dit le King sera capable de remporter une dernière victoire avant de prendre sa retraite? Il est le coureur fétiche de Dinocourt depuis des années. Reste à savoir s'il peut ravir une dernière fois la Piston Cup à ses adversaires. Et comme toujours, en deuxième position, nous retrouvons Chick X. On peut dire, Darrell, qu'il a fait toute sa carrière dans le siège du King. Et oui, Chick croyait que cette année, il allait enfin sortir de ce rôle d'éternel second. Mais malheureusement pour lui, c'était sans compter sur... Flash McQueen! Et je crois qu'on peut dire que personne ne s'y attendait. Ce rookie, ce nouveau venu, si vous préférez, était totalement inconnu en début de saison. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. Va-t-il remporter la Piston Cup dès sa première tentative et bénéficier du même coup du sponsoring de Dinoco? La légende, l'éternel second et le rookie, trois bolides, un champion. Très bien. Le chat qui a tout compris derrière. Mais bon. J'adore faire les... Oh, c'est Cusco. mais ça, ça rebondit. Ah, Je fais l'isma. Don't try this yourself. Subscribe, motherfucker.